Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, il n'y a pas d'éclairage tout simplement parce que ma lampe a grillé. Donc voilà, donc faut que je la change. Juste avant, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, voilà, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Code créateur Cocteau, je vais pas vous laisser plus longtemps parce que comme vous le voyez, je suis dans le noir. Bon visionnage. Ok, Entourac qui... Oh là là, Entourac qui tombe. On va aller voir les zones aussi, j'avoue. On va aller voir les zones. Quoi, les zones qui... Ok, on va aller voir le stuff qui conteste les zones. On va aller voir ça. Bah en fait, je lance quasiment direct, mais... Enfin, je laisse quoi? Je laisse genre 2 minutes, tu vois, 2-3 minutes, je pense. Après, ça suffit, je pense. Hein. Slurpee, j'avoue que Slurpee, on devait regarder. Slurpee, j'avoue que c'est un spawn. Slurpee, on est obligé de regarder. Slurpee depuis tout à l'heure. Ah là là, et Floki, Deceptos, le... Ah, depuis... Kaizen maîtrise vraiment bien le spawn, hein. Ils doivent pas passer une bonne cup, Floki, hein. Merci beaucoup, Shifu. Merci beaucoup, Shifu, pour les 14 mois touch prime. Merci beaucoup, toi. Et ils se font contester, vas-y. BG, ça va trop cool, le petit projet comme ça, dédicace, ouais, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci, mec. Ok, c'est qui conteste? J'ai pas vu. Ils se font contester par... J'arrive pas à voir, les gars. J'ai 70 ans. J'ai 70 piges, j'arrive même pas à lire. Ah ok, c'est Seyferios. Ah ouais, Seyferios, il conteste Tershow et Sindel. Aïe aïe aïe. Aïe hop là, hein, Sindel et Tershow qui montrent que c'est leur spawn. Hein. Ah. Petite danse, évidemment, ça change pas. Et Layzon qui va sûrement tenter d'aller tuer cette fouille. Oh là là, les zones. Stuff! Il s'est fait laserifier là. Hein. Bon, je pense que là, honnêtement, il va être mort. Hein. On va pas se mytho là. Voilà, je vais pas le sous-estimer, mais je doute que Shizuifi Sheila, il a un V2 à Layzon. Hein, et avec Slow. Hein. Fight Salty. Salty, on va essayer d'aller voir aussi. Hein. Ah, vas-y, en vrai, je vous avoue, il va sûrement mourir. C'est qui VS qui là? Attends, mais il me semble que c'est. C'est vraiment qui c'est que je pense là? Alors là, là vraiment, si joue la vanille, il gagne contre. Alors, faut savoir que en face, c'est des joueurs pro, il me semble. Si je dis pas... En tout cas, Yop, c'est sûr. On va regarder Jordan. Regardez-moi ce. Mais quel flexeur. quel flexeur. Genre, regardez-moi ce. Regardez, c'est un énorme flexeur, les gars. Ah, par contre, là, du côté du Heroes, l'OHP, est-ce qu'il va attendre réanimer, j'ai l'impression, là. Oh, ok, Noka qui attend de réanimer Trixou. Ou Trixou qui va attendre réanimer Noka, je crois, plutôt. Bah, c'est peur, les gars, je crois que... Bah, c'est peur, en fait, il a loupé une deuxième game, là, il a reloupé la game, du coup, je pense qu'il va arrêter. Mais, en vrai, c'est un peu de ma faute aussi, parce que je lance assez vite, mais c'est aussi pour l'expérience joueur, j'avoue que... Quand t'es un joueur dans une cup et que ça met vraiment du temps à lancer. Vas-y, regardez un petit peu ce PK DRG. C'est un petit peu chiant. Never, je sais pas, il spawn où Never, je crois qu'il spawn aux petites maisons, on ira voir aussi. Il me semble. Les numéros, je vais montrer après, les gars. Ok, c'est en dessous, c'est Kha'Zix et Atim. Jordan, il a kill Yop, il me semble. Ok, alors. Attention. Oh, ok, bon bah. DRG qui est SPK qui gagne contre Kha'Zix. GG à eux. Alors.
Never, je sais pas, ils sont morts peut-être, non? Je sais pas du tout. Fais voir un petit peu qui c'est qui est mort. The Vic, il est mort. Non. Je vous montre les numéros en même temps, hein, par la même occasion. 42. Je vous ai montré un petit peu les numéros pour ceux qui voulaient voir. Blaster et Alpha qui spawn Craggy. Et là forcément ça va spawn un petit peu les numéros. Trixou. Trixou qui 1v1. Ouf, il a un space 12 mais ça va être compliqué hein. Ouh, ça va être très compliqué là pour Trixou. Ça va être même. Ah, il va rien. Ah, il va le laisser réanimer. Ah, dommage. Et c'est Heroes qui va remporter le spawn. Et qui va pouvoir réanimer tranquillement Orc. 9. 9. Terre chaud. Et Signal les a vu. Ils ont lavé. Enfin, ils ont lavé. Ils ont tué Rayos et Safe. On l'a vu tout à l'heure. Ils vont faire leur petite rotate habituelle, je pense. Ils doivent pas être trop mal dans la cup. Fligon et DKS. Ok, bon. Alors là. Ça va pas se passer grand chose, j'ai l'impression aussi. On a un petit peu moins de bro déjà, on est déjà 66. Où est-ce qu'on pourrait aller? Où est-ce qu'on pourrait aller voir un petit peu? On a dû louper plein de fights en early, et là j'ai l'impression que ça va se fight trop. Babs et Sneezy qui vont aller aggro une team à Misty. J'étais avec la pioche. Ah ouais, safe. Moi je te propose d'aller à mon spawn, hein. Mon spawn il est bien. Hein. Je sais pas si. En tout cas, j'espère que tu passes une bonne cape. Hein. Ok, ils vont s'enfuir, ils vont s'enfuir. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ici? Wipo. Ils sont au-dessus du fight. Ouais, non, en fait, ça a l'air de se. Ah, c'est UMS aussi. UMS, il a un petit space 12 légendaire là. Ah, tu veux du haut, Yoxi? Je sais pas ce que. Cora il sa fight. Ah ouais, j'avoue, bien, bonne information pour lui. Et c'est Vox qui fight contre qui? Contre Broco. Broco qui vient de prendre une double tête là. Hein. Ça vient de prendre une double tête directement. Ils se sont split. En vrai, ils s'en sont bien sortis. Hein. Ah oui, à Vox il claque directement une répu pour aller terminer un kill, hein. Il perd pas de temps. Hein. Oh. Les trucs, hein. Tous les deux crack, l'OHP. C'est MCS Popo, il me semble. Ok, un KO, Popo, le dernier. Et voilà, oh, ici qui met des bonnes balles, hein. Et qui loupe pas ses balles, hein. Oh, Nate est en delay, ce qu'on n'a pas regardé. Ouf, ils ont un stuff. Surtout en delay, hein. Vraiment un giga bon stuff. Hein. Là, c'est Xoxo qui a bah, littéralement 21 HP. Bon, bah, je pense qu'il est mort. Hein. C'est la mort assurée. Hein. Je vois pas comment il pourrait survivre. Il va peut-être mettre un énorme laser. Ouais, voilà. Et c'est un free kill. Hein. Free kill pour Wipo. Ah, forcément, ça danse. Ils sont en fight ou quoi, Sneezy? Soit leur pit, tranquille. Ok, bon, là, il se passe plus grand chose. Hein. On va pas se mytho.
ça va vraiment se calmer, je pense. T'as du côté de Zobir qui va être aggro une team. Never I fight, c'est quel Never, il est où? Oh, il prend une balle. Oh, Zob qui prend une balle de snipe là. En face, c'est Tershaw et Sindel. Hein. Si Zobir meurt contre Tershaw et Sindel, je pense qu'il va s'en vouloir, honnêtement, le connaissant. Donc j'ai envie de rester ici, je vais pas vous mentir. Zobir en box fight, il peut pas perdre. Qu'est-ce qui nous fait Zobir là? Alors Never, je sais pas s'il est mort ou pas, je le vois pas. Nizit, il a des mini potes Nizit, hein, il pourrait au moins lui en passer une. Hein. Là, il va falloir aller en zone, hein, ça va être compliqué. Ça va... Oh bah tiens, en parlant de Never, juste ici, avec Kishu, ils ont un kill chacun. Un stuff plutôt correct, honnêtement. Et ils sont 47, hein. Donc un petit peu moins stack que tout à l'heure, mais encore très 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 correct. Par contre là, il y en a qui vont prendre la sauce, hein, je pense. Ils sont un petit peu en retard sur la zone, eux. Surtout, Joe la Vanille, ils ont pris beaucoup de retard sur la zone, ça peut leur coûter vraiment cher. Hein. La balle de sniper. Et la balle de sniper de DRG sur, sur Jordan. Franchement, fallait pas la louper. Hein. Bon, par contre, ils vont être un petit peu déçus du stuff, je pense. Mais pourquoi on est sur SPK, là? Oh la régie là. Oh, et DRG qui est chaud au snipe. Hein. Et là ça va être... Ok, ok. La SPK c'est la sauce. Hein. Je suis con, des SPK et DRG jouent ensemble. Il a récupéré un pad bleu. Un tout petit peu de build. Ah c'est là. Ah c'est la giga sauce. Hein. Ah c'est... Et c'est qui a fait le kill? C'est Kishu et Maison. Et DRG qui s'en est sorti. On va les spec, je sais pas, on va les spec un cadot là. Et Andilex, ils avaient un stuff incroyable. Qu'est-ce qu'il leur reste? 5 répus, 4 matelas. Ils ont 1000 de budget. Honnêtement, je pense qu'ils vont tenter le high. On va regarder ça. Je pense qu'ils tentent le high, honnêtement. Je pense qu'ils tentent le high là. Ah, il y avait une faille. Ah, oh, j'aime. T'as les failles comme à l'époque à la World Cup là où tu prends. Oh, t'étais tellement. Et du coup, il y a la Storm. Hein. Finalement, elle s'est beaucoup slay. La mid-game, etc. Même début de game, ça s'est beaucoup slay. Et au final, on est 39 à Moving Zone. Donc. Vraiment, même moi, je suis surpris hein, pour vous dire. Hein. Ok, bon, il va rien se passer. On va pas se mentir. On va peut-être plus aller voir du côté de. Là où c'était la sauce. Du côté de Blaster. Enfin, les duels médias, tiens. Duel Media DKS là qui a. Voilà, qui apprend une petite balle. Est-ce que Fligon il va arriver à survivre? C'est clairement un non. Ok bah. En fait dès que je passe sur une pauvre il meurt donc Oh on dit qu'il y avait un. Ok dommage, ils les avaient chapeau. Yoda qui fait un kill sans Zobir, Kaizen qui vient de mourir. Migon. Est-ce qu'on irait pas voir Repten? Repten et Mokhtar qui ont le high en plus. Ils ont combien? 500 de build, ils ont le high, ils sont vraiment bien. Et c'est tellement calme au-dessus, il se passe rien. C'est. Honnêtement, je verrais bien un petit top 1 du côté de Mokhtar là. Full build, la zone revient sur eux, ils sont vraiment vraiment hauts, donc dur de reprendre la hauteur. Mokhtar qui. Ah mais il a pas trop de balles, ok il a pas trop de balles d'air, j'étais en mode qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on sort Call of Duty? Kishu et Never, faudrait me dire leur numéro les gars. Et ils peuvent pas mettre, ils ont la hauteur mais ils peuvent pas mettre la pression, c'est peut-être avoir le kill sur 60s. Alpha qui tue Kishu et Blaster qui tue Never.
Oh, en fait il se passe pas grand chose sur le high hein. On va peut-être plus aller voir peut-être en Dilex et Nate parce qu'ils ont vraiment un bon stuff, ils ont du build, ils ont des balles. Putain c'est dommage hein, qu'ils aient... Putain, ils ont eu tellement dommage qu'ils aient pas de balles Mokhtar. Et Nate qui a le high non? Ah non ok il a plus le high. Il a dû tenter le high mais ça a pas dû marcher comme il voulait. Ah, c'est compliqué pour Nate. Hein. Nate, ils ont le meilleur stuff, mais ils ont pas forcément de situation à leur avantage. Attends. Ok, je dois. Ok, ouais, malheureusement. Ah, ok, Andilex, il va récupérer un kill sur 60s. Et là, ça va être compliqué de remonter. Hein. Petit crash pad. Il y a personne qui a le high, j'ai l'impression. Hein. Y'a personne qui a l'œil, non? Ok, Jules qui fait son petit truc de son côté. Bon, je vais arrêter de changer de pop, j'ai cherché... Ah, c'est Skite! En fait, j'ai cherché Mokhtar, mais je crois qu'il est mort, en fait. Ok, il a eu le kill de Jules. Jules. Skite vs Andilex. Il y a Mokhtar juste en dessous. Oh là 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 là. On dit que 198 sur Mokhtar. Top 3. Black Sou juste au-dessus. Black Sou qui avait fait un top 1 tout à l'heure. Peut-être deux top 1 d'affilée, ce serait incroyable. Honnêtement, là, il y a dit Andilex, Black Sou Skite. Qui c'est qui va gagner? Oh là 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 là. Andilex le clutch. Andilex il est trop fort. Ouais. Il est trop fort ce mec. Il est. Oh là 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 là. Il est trop. 8 kills. Top 1. Vraiment magnifique. Hein. On a la game. Du coup, Nate et Andilex. Bon, ils sont premiers pour l'instant. Mais il n'y a pas la game 1 qui compte. Donc, le classement ne va pas forcément dire grand chose. Mais bon, top 8, top 6 et top 1, 8 kills. Ils ont fait quoi? Tiens, Skite et Falconi. Ils ont fait un top 2. Il me semble. Ouais, top 2 avec 2 kills seulement. Podasa et Mason. Ils ont fait quoi? Ils ont fait un top 11 avec 3 kills. Black Sou, top 3, 5 kills. Azek, Kinwin. Ils ont fait... mais pourquoi il n'y a pas toutes les games? War Legend, on a fait la danse de coq pendant 2 zones entières, t'es même pas venu. Ah ouais, Kaizen. Putain, j'ai pas vu. Putain, en vrai, vous gérez bien au spawn, non? C'est la dernière game, les gars. Hop là, je vais changer de dernière game. Toc. Game 5. En fait, c'est un petit peu bugué, donc c'est un petit peu chiant. Mais vous aurez le classement final normalement à la fin. Sneezy, Robabs, ils ont fait top 25 cette fois-ci. Mokhtar, ils ont fait top 4. Wipo, top 13. Tinox Jules, top 6. Kezix Atim, top 39. Froggy Esti, top 14. Kaizen, top 10. Ensuite, je vais vous dérouler, mais le problème, c'est que les games sont buggés, donc le classement ne veut pas dire grand-chose. Hunter Marcotte, ils avaient fait un top 2, un top 3, un top 23, un top 38. Donc là, vers la fin, c'est un petit peu dommage. Maguel, etc., ils sont à quoi? Ils ont fait Maguel, ils ont fait une bonne, du coup, dans les troisième games. Et la quatrième, ils ont fait top 27. Never, il a fait quoi? Top 18. Ok, ok. Du coup, les potes, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube. C'était Cocteau. Ciao.